Bonjour les enfants, voici une petite histoire qui s'appelle « Où poussent les œufs de Pâques ?» Petit lapin pleure au fond du jardin. « D'où te vient ce gros chagrin ?» demande le canard son voisin. « Demain c'est Pâques et je ne sais pas où poussent les œufs, » explique petit lapin malheureux. « Trouve l'arbre mystérieux, » lui répond le canard malicieux. « Il faut un cœur joyeux et de très bons yeux. » C'est un arbre majestueux, il est couvert de lumineux les jours où il pleut. Petit lapin n'est pas de bonne humeur. D'où te vient ce malheur? Lui demande le poisson rieur. Je ne trouve pas où poussent les œufs de Pâques, dit petit lapin en tapant dans une flaque. « Mon cher, c'est bien connu !» s'exclame le poisson dodu. « Les œufs de Pâques poussent comme des fleurs. Ils fleurissent dans le jardin du bonheur et il y en a de toutes les couleurs. » Petit lapin est bien triste devant l'étalage du fleuriste. « Qu'est-ce qui t'attriste ? » murmure la poule dans sa barbiche. « Eh bien voilà !» explique petit lapin. « Je suis dans l'embarras. « Je cherche où poussent les œufs en chocolat. »« Ho, ho, ho !» chante la poule. « Les œufs en cacao ne poussent pas comme des coquelicots. »« Gentil ami, ne te fais plus de soucis. »« Pour trouver les œufs jolis, cherche dans le nid. » Petit lapin est désespéré devant les oisillons nouveau-nés. « Pourquoi cette heure peinée ?» lui demande la cloche étonnée. « J'ai beaucoup cherché et je n'ai rien trouvé. Je ne sais pas où poussent les œufs colorés. »« Petit nigaud, tu n'as pas cherché où il faut !» résonne la cloche comme un écho. « Ne sois pas bête, élève la tête. Les œufs de Pâques sont accrochés aux nuages. Je les cueille quand je voyage. » Et je les glisse dans mes bagages. Et ensuite, je les partage. Petit lapin ne comprend plus rien. Qui a tort? Qui a raison? Se demande-t-il sur le gazon. Chacun a son avis, qu'il croit être le bon. Tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut sur la manière dont poussent les œufs. Petit lapin sourit en voyant arriver ses amis. Coin, coin, blup, blup, cot, cot, ding, dong. Mais oui, tous ses copains sont là, les bras chargés d'œufs en chocolat. Petit lapin n'en croit pas ses yeux, il est très heureux. Ses amis sont partis, petit lapin réfléchit. Il est à nouveau soucieux. Que va-t-il faire de tous ses œufs? Il n'y a qu'une solution, organiser une distribution. Alors, petit lapin prit un panier. Il y entassa ses œufs délicats, l'accrocha à son bras et fièrement distribua des œufs à tous les enfants. Mais si tu veux savoir où poussent les jolis œufs peints, surtout ne demande pas à petit lapin. Voilà les enfants, j'espère que vous-même vous avez été gâtés par le lapin de Pâques et que vous avez eu plein de jolis œufs en chocolat. Au revoir, à bientôt.